Parisa pour commencer. Donc, cette association de redéveloppement économique de la Seine-Amont, c'est un moment important. En effet, ça fait depuis 10 ans, en accord avec nos partenaires ici notamment, nous avons intégré au sein des actions que nous mettons en œuvre sur les territoires l'importance du vieillissement des populations et le besoin dans son accompagnement. Les salariés d'Areza, que je tiens à remercier ici, gèrent depuis de nombreuses années la bourse de recherche et d'innovation Charles Foy, dont les prix pour cette année seront remis tout à l'heure, et accompagnent aussi au quotidien le réseau en compétences, donc en gérant technologie. Pour revenir sur ces bourses, depuis 2004, avec ces 22 entreprises qui ont pu poursuivre leur projet de développement, et puis pour dire quelques mots sur le réseau. Areza a organisé depuis 2006 les conditions de création d'un réseau d'acteurs, le réseau de compétences en gérant technologie Charles Foy, et grâce au dynamisme et à la compétence des membres de ce réseau, il se développe rapidement et il est sur la voie de son autonomisation au sein du pôle Charles Foy. Cette évolution, nous pensons qu'elle est nécessaire pour atteindre les objectifs que tous ensemble nous portons.